Donc voilà, donc je vais commencer à préparer les salades pour partir. Hop là! Allez, go! Donc là, c'est la salade. Donc là, on est quatre. Donc là, je ne sais pas si c'est assez bien rempli. Alors, on met une autre salade, un peu de salade. Ça coûte très, très, très cher d'acheter pour déjà 4 sandwichs, plus le jus, ça vous fait au moins 40 euros. Donc, autant le faire vous-même. Au lieu de dépenser tout ça d'argent. Donc, tomates cerises, comme ça ne ramollit pas. Donc, elles sont déjà lavées. C'est quoi ça? Ah oui, je croyais que c'était une bête, une salade fatiguée. On ne sait jamais parce qu'on peut trouver des bêtes dedans. Donc, je pense qu'il y a assez de tomates cerises. Donc je vais mettre des olives parce que moi j'adore les olives et on a ça que j'avais ouvert hier. Donc je mets un peu de maïs. Donc c'est pas compliqué, hein. Ça plus la salade, je pense que ça va aller. Plus la salade plus les sandwichs. Je pense qu'on aura le ventre rempli parce qu'on a 7 heures de route. On part vers 4 heures du matin. Puisqu'il faut que Nanou se repose. Donc, les olives que j'avais achetées, j'ai pas pris beaucoup cette fois-ci, ça a fait 2 euros, 1,93 €. Donc, voilà, ce sont des grosses olives. Donc, tout le monde ici aime des olives. Donc, j'ai mis 4 olives par salade. Donc, 4, 4, 4. Dans 3, 4, je vais prendre le gros et je mange le gros. Donc là, j'ai retiré le ventre du concombre. Donc comme vous voyez, je ne donne pas aux filles. Qu'est-ce que j'avais dit des bêtises moi? Ouais, il me restait du lait dans mon frigo. Donc au lieu de les jeter, puisqu'on part demain, j'ai fait de la purée ce soir. Donc comme ça, pas de gaspillage. Parce que laisser le lait une semaine dans le frigo, je ne préfère pas donner ça aux filles une semaine après. Donc voilà. Donc je ne vais pas mettre une tonne de concombre. Hein. Donc voilà, c'est une salade très simple et facile à réaliser. Si tu n'aimes pas les olives, tu mets des cornichons dedans. Donc comme vous voyez, de super belles salades. Et pour ceux qui ont participé au jeu de Tupperware, donc j'ai gagné ça, 90 points, 1 euro quand j'ai payé toute la collection. Donc j'ai le jaune, le violet ou je sais pas quoi. Future, le bleu et un autre jaune que j'ai eu après puisqu'il manquait un étant donné qu'on est à 4. Donc voilà. Donc, je vous montre. Pensez à les laver avant quand même. Oh, c'est pas ça. Il est où ton couvercle là? Donc voilà. Comme ceci, on met au frigo et demain quand on va partir, je mets ça dans la glacière. Oh, fermé oh là. Donc voilà. Ah, ça ferme pas. C'est de l'arnaque. Voilà. Voilà, c'est fermé. La fille, si je fais ça, la salade tombe, je chiale. Donc voilà. Bye. Donc, astuce, les
Bol de salade de McDo. Mélanie veut des tomates cerises pour grignoter dans la voiture. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Comme ça, madame pourra grignoter ses tomates cerises au lieu de manger du chocolat. Donc, voilà les enfants. Voilà. Astuce. C'est quand on prend à porter que c'est déjà à la maison, je signale. Ok? Donc là, je vais verser du jus là-dedans. Oh, ça reste bien. Je vais verser du jus dedans. Je vais mettre au frais en attendant. Ok? Et comme ça, demain matin, je vais rajouter le truc qu'on doit rajouter dedans pour que ça tienne encore au top frais. Oh, j'ai déjà sali là. La voiture est remplie. Franchement, c'est abusé.